Les marchés européens sont positivement orientés ce jeudi. Les marchés sont portés par des résultats d'entreprises supérieurs aux attentes. Juste avant la fermeture, le Stoxx 600 restait stable à 343,52. À Londres, le FTSE perdait 0,70% à 6733,88. Et à Francfort, le DAX cédait 0,60% à 10529,85. Du côté de la Bourse de Paris, le CAC 40 était en baisse de 0,35% à 4423,10 et il y avait 23 valeurs en baisse pour 17 valeurs en hausse. Et on retient parmi les plus fortes baisses du jour, Orange qui perd 2,35% à 13,40€, Technip recule de 1,75% à 52,04€ et Silor International cède 1,23% à 112,45€. Et puis à la hausse, on note Pernod Ricard qui prend 2,28% à 105,25€. Sur le marché d'échange aujourd'hui, l'euro vaut 1,1142 $, le dollar quant à lui vaut 103,58 yens. Et puis sur le marché obligataire, le rendement de l'OAT 10 ans est en hausse de 1,3 BP à 0,19%. En direct depuis la Bourse de New York, c'était Fanny Texé pour Trading Central. Très bonne journée à tous.